Bienvenue à Euromaster eBOS, partenaire Flexfuel, situé dans les Hautes-Pyrénées. Je suis Dalin Cédric, responsable du Euromaster d'eBOS. Notre spécialité à la base, c'est le pneumatique. Nous avons la chance d'avoir un stock très important sur le centre qui permet de répondre à la demande rapidement. Ici, dans cet Euromaster, nous sommes capables de faire n'importe quelle prestation de mécanique sur le véhicule, d'entretien courant. Nous avons également une solution d'atelier mobile pour les professionnels. C'est une personne qui se déplace sur les parcs des clients pour pouvoir effectuer n'importe quelle prestation. L'équipe est composée de 6 personnes. Nous avons 4 mécanos, dont un atelier mobile, une personne à l'accueil et moi-même en tant que responsable. J'ai un cursus scolaire plutôt sur le commerce en tant que commercial. Donc je suis rentré en tant que chef d'atelier et là, depuis un an, je suis responsable de cet Euromaster. Depuis janvier, on est centre pilote pour l'installation des boîtiers Flexfuel E85 et également pour le décalaminage à l'hydrogène. Le décalaminage, ça consiste à injecter de l'hydrogène via cette machine dans le système d'admission du véhicule, ce qui permet de décalaminer toute la partie admission. Les principaux avantages sont une économie de carburant, une économie au niveau de la consommation et surtout au niveau de la pollution. Depuis que nous proposons ce service de décalaminage, les véhicules qui étaient refusés au contrôle technique pour pollution passent sans problème. Le décalaminage, de façon préventive, permet de faire durer son moteur plus longtemps. Un décalaminage préventif dure en moyenne une heure. En cas d'un décalaminage curatif, on est plutôt sur un créneau d'une heure et demie à deux heures. Nous proposons également la prestation d'installation de boîtiers Flexfuel E85, ce qui permet de convertir votre moteur essence à l'éthanol. L'installation du boîtier Flexfuel E85 permet de faire une économie sur le prix du carburant. Aujourd'hui, il y a à peu près 70 centimes d'écart entre le prix d'un litre d'essence et d'éthanol. L'installation se passe très simplement en l'espace d'une journée en centre. C'est un boîtier homologué, ce qui permet d'avoir une carte grise avec changement d'énergie dessus. Ça donne également la flexibilité à l'utilisateur. En cas d'indisponibilité de l'éthanol, de librement mettre de l'essence dedans, le boîtier s'adaptera automatiquement. En sachant que ces dernières années, l'éthanol s'est répandu et du coup, on peut le trouver dans les trois quarts des pompes à essence. Dernier point, l'éthanol est une alternative écologique à l'essence. Ça rejette 90% de gaz à effet de serre de moins que l'essence.